Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Foundation. Donc la dernière fois on s'en était arrêté qu'on voulait aller construire une mine dans les montagnes là-bas. Et voilà, donc j'ai joué un petit peu entre le stream, j'ai construit quelques arbres, je me suis aperçu de comment faire pour que les zones d'habitation soient de plus en plus désirables et que les habitations puissent s'améliorer du coup. J'ai lu un peu les trucs d'aide là que j'avais pas trop lu. Chose que je trouve un petit peu dommage qu'on ait pas quelques petits pop-up pour nous dire tiens, faites ci, faites ça. C'est bon, le jeu est encore en alpha, hein. C'est pardonnable. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est que première chose qu'on va faire, on va construire notre mine ici. Depuis le temps qu'on en a besoin de cette mine. Clac. Alors la mine elle est ici. Ok, donc ça c'est une mine de fer. Une grue qui est un dépôt de ressources. Donc là, ah ok, donc ça on peut le faire un peu n'importe où. Donc le dépôt de ressources on va le faire par là. Clac, bon allez par ici. Qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? Une grue là? Bon, on peut construire une petite grue comme ça, ouais, c'est joli. Un chariot. Un chariot décoratif ici. Hop, là on va mettre une grue ici pour les matériaux. Clac. Et donc ça va me coûter 45 planches et 5 outils. Donc il y a une case à cocher là mais qui est pas visible. Très bien. Donc on va commencer la construction. Et on pourra ensuite enfin produire du fer, chose qu'on avait besoin. Ah tiens, j'ai les petits vêtements qui sont mis ici. Donc je suis à 100 vêtements. Donc là je dois commencer à en vendre maintenant des vêtements, hein, ici. Oui, très bien. C'est pareil, c'est dommage, hein, y a des textes qui n'apparaissent pas en entier. C'est dommage qu'on ne puisse pas agrandir les petites fenêtres là. Pour voir. Bon, encore une fois, le jeu est en alpha, c'est pas grave. Donc mes soldats, moi ils étaient revenus de la guerre normalement, je crois. Ils m'avaient ramené un peu des trucs. Donc c'est des ressources en fait qu'ils ramènent. Je m'attendais presque à avoir des objets ou des trucs, mais ce sont juste des ressources. J'ai des nouveaux villageois, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va former des nouveaux villageois ici. Je sais pas combien je serai au maximum. On verra. Toi, c'est quoi la désirabilité moyenne? Ah, donc ça aussi, il faut que j'augmente la désirabilité de ce truc. Donc, ce qu'on va faire pour augmenter la désirabilité, c'est qu'on va mettre un peu de décoration. On a des décorations. Ah, je suis encore à 1000 d'or, donc on va pouvoir acheter une nouvelle zone. On va peut-être acheter celle-ci. Donc pour la désirabilité, on va ajouter un arbre ici. Commencer la construction. Alors ça c'est chiant, faut appuyer sur mage. Les clôtures aussi apparemment, mais ça coûte des outils, donc on va faire des armes plutôt. Hop, ici. Ici par exemple. Ici ce serait pas mal aussi. Hop. Pour mettre un peu des arbres un peu partout là, ça augmente la désirabilité tout ça. Les puits aussi, j'ai oublié des puits. Il y en a un là, il y en a assez, ah, si, déjà un là, il y en a un par là. Pour en rajouter un ici, ce serait pas mal d'en avoir un pour la pour les soldats. Le problème c'est que là ça joue que sur eux, donc on va le mettre ici. On va mettre un puits là. Hop. Voilà. Donc. La laine, ça remonte. Donc c'est bien. Promotion disponible. Ah, ça je le voulais. Donc, on va promouvoir des roturiers.
Est-ce qu'on promouvoit tout le monde en serre? Non, pour le moment on va pas les promouvoir tous en serre. On va promouvoir le tisserand là par exemple. Ceux qui sont niveau 3. Allez. Voilà. Ensuite ici, on va promouvoir des roturiers un petit peu. Les niveaux 5 déjà. Clac, clac, clac. Les plus méritants en fait, hein. C'est comme ça que je marche. Tonnellerie maintenant disponible. Ah ouais, donc là j'ai dû atteindre les 20 roturiers. Je suis à combien? 418. Ah, ils ont tous passé serre. Alors les serres, ils ont besoin de logement et de services. Les roturiers, ils vont avoir besoin de vêtements, de nourriture. Donc là, les roturiers, plus j'en fais, on va combler peu. Les roturiers nécessitent de marcher. Ouais. Et donc, ils ont besoin de logements améliorés. Donc, ils vont pouvoir améliorer mes logements. Ça, c'est bien. Et ils vont bouffer plus de. Enfin, des choses différentes. Ok, donc là, on est bien. Et c'est là que mes marchés vont vendre plus, du coup. La splendeur de votre village a déverrouillé un nouveau bâtiment. Wouhou! Alors j'ai entendu qu'il fallait aussi que j'essaie de construire une église avec beaucoup de splendeur. Une maison se modernise. Oh encore? Celle-là là? Pourtant elle était déjà moderne. Il y en a deux. On va voir. Alors l'église. Un villageois manque d'espace pour installer son logement. Ah! Où ça? Eh oui. Le truc c'est qu'il va falloir que. Eh oui, j'ai plus de zone de. Ah oui, et oui. Oula, petit lag. Et ici, là, il veut pas en construire ici des habitations résidentielles là. Pourtant, ça a une bonne, y a une bonne attractivité ici. Faudrait un petit puits peut-être. Ça manque un peu d'un puits là. Faudrait que j'ajoute un puits par là, là. Un petit puits par là, là. Clac comme ça. Ok. Des petits arbres peut-être. Ou une décoration, un petit signal de carrefour là, clac ici là, clac. Hop, voilà. Ok. Sinon on va augmenter ici. Hein. Je voulais garder de la place si jamais je voulais agrandir mes trucs ici, mais on verra. Voilà, je vais lui augmenter un peu sa splendeur à lui. On va lui faire une espèce de haie d'honneur là, enfin une haie d'entrée là, clac, clac, ça t'augmentait la splendeur, ça oui, hop, comment je vais faire là? J'ai pas pensé à ça moi, on va faire ça ici, clac, 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 clac. Celui-là, ouais. Hop. Hop. Voilà, allez, on va construire tout ça. Ça va me coûter quoi? Des pièces d'or. C'est pas grave. Hop. On va avoir un joli manoir, du coup. Ça, est-ce que ça a besoin de splendeur, ça? Oui, un petit peu, on verra comment on augmente la splendeur après. On avait dit augmenter la splendeur de l'église. Ouais, mais il n'y a rien pour faire joli. Splendeur, ouais, faut agrandir sa taille, quoi. Oh, les pierres tombales, ça fait même pas de la splendeur. Oh, c'est nul. Pourtant, c'est beau. Pourtant, c'est beau. Bon. On verra. On verra, on verra. Promotion disponible. Donc attendez, je peux en promouvoir d'autres. Je suis plus niveau 5 là. Bon, allez, niveau 4. Hein. Pas trop. Hop, voilà. Faut que je garde un peu d'argent. Bon, ça monte bien là, l'argent. Donc c'est cool. Alors, il y en a zéro qui ont voulu rejoindre ma ville. C'est dommage. Ah oui, ça a amélioré la.
Les maisons, effectivement. Clac. Donc là, elles vont s'améliorer sûrement celles-ci aussi. Oui. Ça va être des maisons en briques maintenant. Bon, on va faire pas mal de... Ah, ça me coûte des pièces d'or, les arbres décoratifs. Ouais, bon, on s'en fout. On va en mettre de partout, hein, c'est joli. Ça décore. J'espère qu'après, ils peuvent les agrandir, leurs maisons, quand ils les construisent, parce que sinon, c'est le bordel. S'ils construisent des maisons qu'ils peuvent pas agrandir après... Hein? Soyez pas débiles, messieurs. C'est mignon, ça, j'aime bien les petits chemins au milieu, là. Petite maison. Alors, taille 6, niveau de la maison 2. Donc ça c'est d'être niveau 1. Mais c'était déjà niveau 2. C'est quoi qui s'est construit là? Désirabilité très élevée. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, elles sont sympas en tout cas ces petites maisons. Ok, j'ai construit le puits. Oh là, l'or ça monte trop vite, c'est trop bien. Il va falloir que je me fasse ma trésorerie rapidos. Du coup, alors là, normalement, je pourrais me faire une trésorerie là-dedans. Ce serait pas mal. Le manoir là. Qu'est-ce que je peux construire d'autre dedans? Trésorerie. Ah bah voilà, j'ai rien là. Trésorerie. Trésorerie. Ah bah voilà. Trésorerie. Bah oui, parfait. Ah, quand même. Peut-être que ce manoir, on va l'agrandir encore. Faire des extensions, je ne sais pas, on verra. On verra, c'est pour ça que je vais me garder un peu de la place autour, comme ce truc-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter cette zone et cette zone-là après. J'ai pas regardé là-bas du coup, c'en était où ça, la mine? Ouais, ils mettent du temps les constructeurs à y arriver. C'est pas grave. Pouah, ça monte à une vitesse mon or là. Je produis... Enfin, je gagne de l'or... tellement rapidement là, c'est génial. Mes ressources sont bien hautes, le pain diminue un peu j'ai l'impression, on verra. J'ai pas réussi à tirer du monde, les vêtements j'en ai... Ok... le poisson, ça va peut-être être limite. Non, ça va. Ouais, je vais me refaire une cabane de pêcheur. Je vais me refaire une cabane de pêcheur. C'est où? Tata, je suis sûrement passé dessus sans le voir. Mais c'est où? Cabane de pêcheur. Il sera plus proche, là, ici. Ouais, mais là, en même temps, il est mieux. Et à côté de son pote. Et surtout que là, c'est le truc de pêche est ici. Là. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Parfait, parfait, parfait. Je sais pas si c'est très désirable ici. Alors, j'ai vu aussi qu'on pouvait afficher l'attrait résidentiel. Ouais, donc là, c'est pas du tout attractif. Ah tiens, il y a une maison qui s'est construite là, non? Oui, une habitation. Très bien. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Là, ici, oui, le bois. Ce serait bien qu'ils prennent le bois ici. Ils n'ont plus que ça à ramasser comme bois. Ouais. Ils n'ont plus que ça à ramasser comme bois. Donc, il va bien falloir qu'ils le ramassent. Ok. Donc... Donc là on a de l'attrait, on est pas mal. Il va falloir que je fasse de l'attrait là-bas maintenant. Donc il va falloir que je fasse un petit marché. On va faire un petit marché sympathique, on va essayer. Il est joli mon petit marché, j'aime bien. Une église. Peut-être qu'on va la faire là-bas, notre super grosse église. Ah non, il n'y a pas la place, remarque. Il n'y aura pas la place. Mais celle-là on va pas pouvoir l'agrandir beaucoup. Hein. C'est un peu le problème. Fertilité. Ok. Les minerais.
Ça c'est là-bas, je suppose. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Toujours afficher le zonage. C'est quoi le zonage? Les limites, ouais. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Nos moutons qui sont ici. Tiens, mais lui, on n'avait pas fait... pourquoi je peux pas cliquer, là? Ah. On n'avait pas fait pop des moutons, là. Hihi, c'est rigolo. Ok. Les petits moutons qui se promènent, c'est marrant. Ça sert à rien, c'est juste cosmétique, mais c'est rigolo. Donc, reprenons. Je dis beaucoup donc, hein. Je le remarque. Donc là, ce serait bien qu'ils améliorent leur baraque. La trésorerie, on est pas mal du tout. On est vraiment bien. Peut-être qu'il faudrait que je me construise avec d'autres constructeurs, parce que ça construit pas bien vite quand même. J'ai l'impression. Combien est-ce que j'ai de constructeurs? 6. J'ai l'impression qu'ils en branlent pas une quand même. Hein. Ça construit un peu de partout. C'est un peu le bazar. On va peut-être construire un autre atelier de construction. Et après, on va commencer aussi à regarder pour... Ah tiens, c'est marrant, ça n'augmente pas la... Ça ne fait pas diminuer la désirabilité. La cabane de construction, donc on va la construire par là. Paf. Oh, atelier de sculpture. Tiens, c'est nouveau ça. Ressources nécessaires à la construction. Créer des sculptures. Hum, intéressant. Et ben on va faire ça. Atelier de sculpture. Alors ça on va le pousser là. Oula, j'ai un petit lag. L'atelier de sculpture donc. À quoi ça ressemble cet atelier de construction? Ouais, ok, l'atelier de sculpture. Je l'aurais bien mis par là, mais plutôt comme ça, voilà. Plutôt comme ça. Voilà. Ah, c'est cool ça. Donc il y a des trucs avec des modules là-dedans. Comment c'est la construction? Je ne savais pas. Faut que je regarde alors. Peut-être que... Atelier de construction édité. Ouais, d'accord, ok. Ok, donc les cabanes taille de pierre, non. Les scieries, non plus. Les camps forestiers, non plus. Les camps de bûcherons, non plus, il n'y a rien amélioré. Peut-être que les trucs de récolte, là, non. Peut-être que j'ai pas débloqué encore ce qu'il faut aussi. Alors, les fermes, non. Les moulins, non plus. Et la boulangerie, non plus. Il n'y a pas de module en plus. Ok. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait acheter ça. J'ai beaucoup d'or, c'est trop bien, on va pouvoir s'étendre comme on veut. Hop, j'ai dit que par là, je vais continuer à m'étendre par ici, mon quartier... industriel, je dirais. Est-ce qu'il récolte ici ou pas? Eh oui, donc il s'embête pas là, le bois, en fait. Pour le moment, le bois, vous allez pas extraire ici. Moi, j'aimerais que vous extrayiez là-bas, qu'on puisse agrandir un petit peu les... quelques habitations par ici. Moyen... Parce que là j'ai ramené personne. Une nouvelle mission militaire est disponible. Et oui, je peux peut-être partir en campagne militaire. Oh, il y en a des blessés. Comment on les soigne du coup? 0 XP. 684 d'XP. Ouah, il y a de l'XP, c'est cool. Mission disponible. Formée partiellement. Principalement formée. C'est-à-dire quoi, principalement formée? Donc attends, toi on va t'enlever ton épée. On va la donner à lui. Donc là je peux envoyer qui? Je peux envoyer Malherbe, Brunmer.
Alors, Malherbe, Brunmurb, Brunmurb. J'arrive pas à prononcer son nom. Donc là, c'est toutes des missions, c'est toutes les mêmes. Ok, donc je vais préparer mes troupes pour les envoyer immédiatement. Donc là, on a dit Brunmurb, Malherbe. Ok. Armanduccio, Alulf et Lucina. Armanduccio, Lucina et Alulf. Très élevé. Envoyé. On va essayer de faire la double mission là. Pour tester. Qu'est-ce que j'ai là? Quête. Envoyer des soldats, machin. Ok, donc ça c'est envoyé, non? Mission acceptée. Oui. Voilà. Et là. Bah, 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 ok. Donc j'ai fini de construire la cabane de pêcheur. Donc on va affecter un autre pêcheur. On va affecter. Ah, j'ai plus de nouveaux gens. Et ben on va affecter un bâtisseur et puis c'est tout. Gisement de fer. Ah, faut que je mette des mineurs. Ouh, j'ai oublié ça. Est-ce que je peux faire genre comme ça? Non. Ah, c'est dommage ça. 11 soldats. Ah, il est là le donjon en bois, les 11 soldats. Ok. Ok, ok. Donc. Je dis toujours beaucoup trop donc. Un atelier de construction. Un bâtisseur. Ah, ça doit être pour les sculptures, je suppose. Certainement. On va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir partir à faire après aussi? Parce que là, on a construit tout ça. Moulin à vent, boulangerie. Allez, brûleur de charbon, on va en avoir besoin de ça. Pour construire des outils derrière. On va produire du charbon. Après, avec le fer. On va faire du fer à l'aide de minerais de fer et de charbon. Et après, on fera des outils à l'aide de tout ça. Un moine s'approche du village. Bonjour le moine. Après, je vais pouvoir faire un monastère, apparemment, j'ai vu aussi. Pour faire du vin et tout. On verra. Alors, du coup. J'avais dit que je voulais construire ici une église. L'église, on va peut-être la mettre au bout. Ce serait pas mal. Ça, on pourra l'étendre un peu comme on veut. Vous voyez? Surtout que le cimetière, on n'aura pas besoin. Là, je vais me faire une zone résidentielle. Donc, on va faire un petit marché au milieu. Ou dans un coin. On va peut-être faire dans le coin le marché, comme ça. Au moins, je suis sûr que les maisons, elles se construiront autour. Autour bien, comme là, là. Ça, ça va être le quartier historique. Et ça, ce sera le quartier résidentiel optimisé. Alors là, trésorerie. Bureau du bailli, non, bah non. Trésorerie. Hop. Voilà. Voilà, voilà. J'ai toujours à plus 101, là, donc là, on est très bien. On est très, très bien. Ok. Donc... Je dis toujours encore donc. après, on pourra faire une ferme laitière pour faire du fromage et de lait. Ça serait pas mal le fromage parce que j'ai vu que ça se commerçait. On peut bien le vendre le fromage. Oh là, il y a toujours personne qui est un moine requiert votre audience. Oh, ça va être pour une mission pourrie encore. Je vais aider l'église. Livrer 10 outils. Oh non, les outils je les garde. Désolé. Pour le moment d'ailleurs je les achète pour le moment donc on va les garder pour nous hein. Une petite maison là, sympathique. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'agrandirai pas mes zones de stockage? Je ne sais pas. Alors la mine, j'ai eu du monde ou pas chez moi? Non, j'ai toujours pas eu de personne en plus. Il va me falloir des minerais sur le gisement de fer.
Même faire des gens, je veux dire, sur gisement de fer. Et le minerai, après d'ailleurs, je le stocke où? On va y faire par là. Hein. Là, je peux stocker. Peut-être pas avec le tissu. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée de stocker du gisement de fer avec le tissu. Alors, chance élevée. Gardez mes troupes avec vous. Voilà. Je vais peut-être améliorer mes chances de récompense. Décoration. Là, j'ai tout. Ok. Promotion disponible. Allons-y. Promouvons les roturiers. Ah, d'ailleurs, j'ai débloqué des trucs là-bas. Les niveaux 5 et 4. Ceux qui ont bien travaillé. Voilà. Donc là, il faut que je fasse attention. À mon or. Garder un peu, 325, ouais, c'est pas mal là. On est pas mal. Ah, je vais pouvoir avoir des citoyens qui vont avoir des besoins de luxe que je ne peux pas encore leur fournir. Oh, 200, punaise. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Voilà. Ah, ensemble en pierre. Nouveau module débloqué pour le manoir du seigneur. Cool. Donjon en bois décoratif. Ça, c'est gratuit. Donjon en bois. Décoratif est maintenant disponible pour donjon en bois. Cool. Ok. Un mur de taverne. Je ne sais pas ce que c'est. Une taverne. Ok. Ah, j'ai plus de ça. Manoir du seigneur, ensemble en pierre. Taverne, ensemble en pierre. Ok. Une hutte de chasseur. Un armurier. Ok. Ah, c'est bien, je débloque plein de trucs. Ah, j'ai pas assez de splendeur aussi. Au niveau du clergé. Donc j'ai dit qu'on allait construire une église. Ah, mais ça demande de la place quand même, une église. Hein. Je sais pas si je vais la construire ici, mon église. Hein. Regardez déjà celle-ci, là. Ou alors je la construis là. Je la construis ici. Là, je fais un marché, plutôt. Comme ça, là, je peux la construire comme je veux. On va voir. Promotion, ouais, donc ça, c'est bon. Ok, donc eux, ils sont partis à l'étranger, machin, tac, tac, tac. J'ai toujours pas eu de gens qui sont arrivés chez moi, quoi. Il va me falloir des nouveaux gens. Hein, les gens? Venez chez moi, les gens. Oui, j'ai débloqué plein de trucs. Avertissement. Impossible de trouver une maison assez proche pour mon lieu de travail. Ah! Travaille où, lui? Il est cueilleur. Ah, il travaille où? Il travaille ici et il habite où? Ah, y a pas de maison? Mais y a plein de maisons, là, tu te fous de ma gueule. T'as qu'à construire une maison ici, Ganille. T'as qu'à venir dans ces maisons, améliorer ces maisons. Putain, mais vous êtes débiles, les gens. Et lui, là, il travaille ici, et il a pas d'habitation. Bah, tu vas te démerder, hein, c'est bon. Faut arrêter. Mon lieu de travail est plein. Ça s'en fout. Ouais, c'est bon, hein, j'ai deux bonhommes qui sont pas contents. Faut arrêter, hein. Ah, qui c'est qui est pas content, là? Lui, bonheur, besoin comblé. Blam blam. Oh, le bonheur est pas top, là. Je n'ai pas pu avoir d'église. Ah, ben voilà. Et bien voilà. Il va falloir agrandir cette église. Ah oui, pourtant, je suis à 100, là. Je suis pourtant à 100. Ah, mais si je fais une grosse église là-bas, ils pourront pas y aller. Que j'agrandisse celle-ci encore en fait. Oh là, il n'y a personne qui a essayé de venir, mince. Alors éditer, est-ce que je peux faire un module principal? Ah ouais, je peux faire comme ça, quoi, un truc dégueulasse. Allez, en plein milieu, vas-y, on s'en fout.
Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Ok, c'est pas logique. Module en pierre. On va faire un truc comme ça, c'est rigolo. Ouais. C'est le plus. Le truc qui paraît le plus logique. Bon, en même temps, ça fait. Si je fais des trucs comme ça fait un peu. Église de bourrin. C'est pas grave, allez, on agrandit notre église. On agrandit notre église pour avoir encore plus de croyants. Allez-y, venez à la messe. Hop. Ça me coûtait combien tout ça? 8 outils et 96 de pierre. Allez, c'est parti. Alors attendez, j'ai débloqué des trucs pour le manoir. J'ai envie de voir ce que j'ai débloqué. Les ensembles de pierre. Oh! Ah ouais, on va pouvoir faire un château, un bureau des impôts. Ah ah, coût d'entretien. J'ai lu quelque chose à propos de ça. Oh là là, grande porte en pierre. Oh stylé, on va pouvoir faire des trucs sympas. On va pouvoir agrandir celui-ci. Peut-être de l'autre côté là. Non, je dis que je faisais un marché là. Il y a une église par là-bas. Je vais faire un autre pont du coup. Je vais construire un autre pont en bois. J'ai débloqué plein de trucs. J'ai débloqué plein de trucs qui pour le moment ne servent pas à grand chose d'ailleurs, mais pont en bois. Donc là on va faire un pont ici. Et là on va le mettre comme ça. Clac. Clac, très bien, commencer la construction. Donc là on fera notre grosse église. Enfin, ou du moins notre église plus stylée. Et on va essayer de déployer des habitations par ici aussi. Ça fera un autre pont par là. On peut le faire maintenant même le pont parce que les planches on en a à tir l'arigot. Hop. Clac. Ah mince. Clac. Commencer la construction. Voilà. Donc là on a nos ponts qui vont se construire. On va essayer de. Eh bien, il va falloir faire mon marché là. Il faudra que je fasse mon marché ici absolument. Il faudra que je fasse un autre marché ici, non, sinon ça ils vont pas venir. Alors c'est là-dedans. Un marché. De quel côté on va le faire? Plus au milieu. Hein. On va le faire plus au milieu le marché. Ah, regardez, il commence à construire une. À faire une ligne ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre truc là. On va faire une étale ici comme ça. Non, on va faire une étale comme ça. Une étale. Monseigneur, nous sommes encore une fois victorieux. Il reste cependant une dernière bataille à mener. Ah ouais, mais faible, je ne peux pas là. Donc ramenez-les. Donc attendez, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire? Ah oui, un truc de marché comme ça. Est-ce que j'en mets deux comme ça? Ouais, ça peut être ça. On peut dire que ça pourrait être ça. Hop. Avec ça, comme ça, non, ça va pas ça. Ah, ça va pas de les mettre comme ça ces trucs. Hein. Non, faut pas que ça aimante ce truc. Ah, ancrage automatique. Je ne peux pas. Je peux pas les activer du coup. Alors on va le faire comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait de la place quand même pour les maisons. Faut quand même qu'il y ait de la place pour les maisons. Hop, on va faire comme ça. On va faire un truc de marchandise pour vendre des vêtements. Clac. Ah non, crée-moi pas une route au milieu là, s'il te plaît.
Hop, commencer la construction. Ok. On va également faire du coup des petites tentes. Hop. 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 Voilà, comme ça. Ça va être sympa. Commencer la construction. Ok. Voilà. Pourquoi ils construisent pas là? Ah, parce que je n'ai pas fait commencer la construction. Et oui. En fait, c'était juste la terminer. Ok. Oh là, mes maisons, elles sont toutes bien améliorées, dis donc. C'est stylé. C'est grave stylé. J'ai toujours pas de nouveaux arrivants, moi. Non. Pas cool, ça. Alors attendez, comment on fait pour qu'il y ait des nouveaux arrivants qui viennent? Oh, je suis à 35 minutes de vidéo, on va pas tarder à s'arrêter. Attirer plus de villageois. Davantage de villageois rejoignent de mesure, c'est à mesure de gain. Le nombre d'immigrants dépendra en fonction de différents facteurs qui représentent la vie dans notre village. Un impact, ouais. Mmh. Section immigration de votre panneau. Ouais, ok. Vous trouvez le panneau en cliquant. Immigration, ok. Donc si je clique là-dessus, immigration 5 jours. Probabilité immigration est moyenne. Zone résidentielle est faible. Ah! C'est ça! C'est donc ça. C'est parce que je n'ai plus de zone résidentielle. Ah bah voilà, regardez ça! Clac, là on va faire des maisons là. C'est cool. Voilà. Là, tout là, là. Voilà. On va faire de la zone résidentielle là. Peut-être pas ici, on va garder un peu de place pour agrandir le marché après. Hein, voilà. Peut-être juste là. Voilà, comme ça. Ok. Vous allez m'extraire ça aussi, là, les bûcherons, s'il vous plaît. Zone de chasse. Tiens, on peut chasser maintenant. Voilà, donc là, j'ai amélioré grandement mon attrait. Donc, normalement, là, je vais pouvoir améliorer mes trucs. Donc, zone résidentielle. Ok, donc là, c'est... Ah, ouais, le marché, c'est vraiment le truc qui attire beaucoup. Je suppose que l'église aussi. Peut-être qu'on la fera ici, l'église, en fait, hein. Non, ici c'est mieux. Ici c'est carrément mieux. Ok, les planches, j'ai bien baissé du coup. C'est pas grave, ça remontera. La thune, j'ai ce qu'il faut. Largement. Et ben voilà. Bon, et bien sur ce, moi je vais vous souhaiter à tous une bonne continuation. Et puis, on fera la suite. Du coup, on améliorera cette île là-bas. On essaiera d'agrandir cette île là-bas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!